Coucou tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, moi ça va, très 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 bien. J'ai reçu un joli colis, voilà, vous allez voir. Je ne l'ai pas ouvert, hein. C'est une boxing, hein. Voilà. Donc j'ai eu un joli mot. J'ai commandé en fait parce qu'il y a eu une présentation d'un de ces colis, parce que cette personne fait des colis en fait tous les trimestres par rapport aux saisons. Donc vous avez le colis à 25 euros et 55 euros. Bon, moi j'ai commandé le colis à 25 euros. C'est en fait elle fait une oh là là je trouve plus mes mots, ça y est, c'est reparti pour un tour, excusez-moi. C'est un atelier ésotérique, c'est-à-dire comment vous créer votre colis avec des choses qu'elle aura fabriquées elle-même. Par rapport à vos. Elle vous pose un. Il y a un petit questionnaire à remplir qui est très très sympa. Et par rapport aux questions, elle apprend un peu à vous connaître, en fait, à connaître vos goûts, etc. Et elle crée ce colis. Il y a des tambours, ils sont magnifiques. Enfin, elle a des très 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 beaux objets. Hein. Enfin, franchement, c'est une boutique. C'est une box tribale en fait. Voilà, c'est une box tribale. Donc je vais vous mettre en dessous sur quelle chaîne j'ai vu cette box tribale. Bon, là c'était une box à 55 euros. Hein, moi j'ai eu celle à 25 euros. Elle m'a fourni un petit mot. Coucou Mirabelle, merci beaucoup pour ta commande. Ton questionnaire m'a bien inspiré. J'espère que la box trib, hein, c'est pas tribal, excusez-moi, c'est la box trib, te correspondra et te plaira autant que je me suis amusée à la créer. En te souhaitant une bonne réception et une merveilleuse journée. Voilà. Après, j'arrive pas à lire. Oshka. Oshka. C'est très gentil déjà. Et en fait, elle met son énergie dedans. Voilà. Vous savez bien, moi, j'ai besoin de ça. Voilà, pour. Je trouve ça super, quoi. Enfin, qu'elle prend son temps pour créer. Je veux dire, c'est un lien. Hein. Moi, je vous dis, les boutiques. Purement commercial, stérile et tout, il n'y a pas d'échange. Moi, comme je vous dis, hein, ça me nourrit pas du tout, du tout. Mais je m'en rends compte maintenant, hein, parce que j'ai 40 ans, j'ai une expérience de vie et tout ça. Puis je suis dans le milieu, enfin, je suis dans le commerce aussi un petit peu. J'ai des amis dans le milieu aussi, donc je sais ce que c'est. Voilà, moi maintenant, je consomme avec plaisir en fait, que pendant très longtemps j'ai pas consommé avec plaisir, j'ai consommé pour rentrer dans le moule de la société quoi, mais en fait ça me kiffait pas du tout, donc je kiffais pas du tout. Mais quand je vous dis que je kiffais pas du tout, donc un petit papier de soie orange, hein, avec un petit donc là c'est celui-là de l'hiver que moi j'ai commandé. J'ai loupé celui de l'automne. Donc j'ai eu celui de l'hiver à 25 euros. Donc il y a la petite. Oh, c'est très joliment fait. Hein. C'est déjà. Voilà. Et moi j'ai répondu au questionnaire et tout. J'ai dit, voilà. J'aurais eu la possibilité d'avoir la grande, j'aurais pris la grande, mais déjà, celle-là, ça me plaît bien. Là, je vais essayer de pas tout déchirer. Hein. Vous savez bien, moi j'ai. J'aime bien tout garder. Au début, je comprenais pas pourquoi les filles, elles disaient, ah, bah, je vais garder les petites paillettes dans les trucs et tout. Je me dis, qu'est-ce qu'elle garde et tout. Et si, si, parce que c'est l'énergie de la personne et tout. Et puis, comme ça, quand vous les regardez, enfin, moi, j'ai une boîte exprès où je range tout.
Parce que j'aime bien recycler aussi. Hein. C'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas d'acheter des tarots d'occasion et des meubles et des objets d'occasion et tout. Parce que bah, c'est une nouvelle énergie qu'on apporte et voilà. Donc, voilà, c'est un renouveau tout le temps. Comme le printemps, c'est un cycle en fait. Voilà. Donc moi, c'est un truc, ça, j'aime bien faire ça, en fait. Voilà. Donc, je vais, oh là là. En plus, je voulais la... j'étais prêt à l'ouvrir comme ça et tout. Mon drôle, il m'a dit, hey, maman, tu feras pas une petite vidéo Oh, bah j'ai fait, t'es pas bête. Alors, excusez-moi, c'est mon portable qui va biper. Oh là 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 là. Oh là là. Alors, attendez, je vais baisser la... Regardez, attends, tu les vois là? Mais c'est un peu le bazar hein, sur mon bureau. Hein. Non, comme ça. Donc, c'est la boutique Ex-Mystique Atelier Ésotérix. Et Ésotérique. Pardon, Astérix. Astérix Obélix. Monsieur Magique. Qui est française. Hein, qui se trouve vers Carcassonne. Et je vous mettrai aussi en bas, vous regarderez, ça s'affichera l'adresse web. Voilà. Et franchement, c'est... oh là là, c'est... Ça a l'air d'être beau tout ça. Donc c'est elle, elle fabrique plein de choses. Alors, je vais vous lire. Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça là? Un bon de réduction. À valoir sur un portrait d'un guide ou d'un ancêtre créé sur commande dans le style abstrait semi-réaliste par KNT. Ah, en profiter, suffit de donner ce valable un an. Oh, c'est bien ça. Non, mais c'est cool parce que même si tu vois au moins être tout simplement coaching de votre vie par Raphaël, coaching intuitif, clairvoyante, bon de moins 25% pour une séance découverte. Soit 30 euros la séance au lieu de 40 euros. Pour en profiter, il suffit de donner le code. Ouais, c'est très gentil ça. Non, mais voilà. Elles partagent. Je veux dire, voilà. Hein. Déjà, elles sont super jolies. Hein. Je sais pas, moi, c'est des nénuphars et tout, je trouve ça. Voilà, elles partagent. Voilà. Elle est, y a d'autres personnes et ça permet de se faire connaître. Et puis voilà. Même moi, si j'utilise pas, il y a peut-être. Bon, ben, elle partage énormément. Voilà. Chez qui j'ai trouvé cette vidéo, en fait. Voilà. Vous l'avez vu, voilà. Voilà. Grand professeur hein, de cartomancie, de tarot, d'ésotérisme, de. Pff, moi, je. Enfin, voilà. Je m'appuie beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup ses explications et voilà et c'est enfin elle fait ses propres produits enfin c'est moi je voilà hein, comme j'ai dit dans une autre vidéo oh, monsieur madame la professeure je vous dis bonjour et voilà et c'est quelqu'un de très sérieux c'est quelqu'un qui aime son métier ça se voit ça se ressent c'est Donc, pour une commande d'un tirage ou d'une consultation analyse numérologique. Alors, analyse numérologique, ça m'intéresse énormément. Donc, pareil, c'est valable un an. Donc, on peut la consulter par Skype. Cartomancie, tirage de tarot, analyse numérologique. Je ne connais pas l'analyse numérologique, donc... Donc 10% de remise, c'est énorme. Hein. Bah dans ce genre de prestation. Hein. Perso, hein. Enfin, voilà. Alors. Box Trip version mini hiver 2016. Alors, un mélange d'outils et de matériel ésotérique avec des bijoux et des objets déco ethniques pour hommes et femmes, les nouveautés de l'atelier en exclusivité. Ah ouais, d'accord. Donc, valeur totale, il y en a quasiment pour 90 euros. Voilà.
Il y a 40, enfin, sans les cadeaux, il y en a pour 40, enfin, ouais, voilà, il y a 40 euros de fabrication pure, et moi, je le paye 25 euros. Pas beau, ça? Non, mais voilà. Einstein? Alors, je sais pas comment ça se prononce. Civi, perspicacité, vision intérieure. J'ai choisi ce thème pour respecter le temps d'introspection en hiver. La nature nous rappelle de nous reposer et de se reconcentrer. C'est un temps pour retrouver la sérénité, exprimer sa gratitude et ses souhaits. Alors, moi, c'est super bien emballé, hein. Alors, oula. Alors ça, c'est la personne qui a dû. Ah là, elle est encore. Non, bah ça, c'est pas. C'est sur son cartonnet, hein, c'est Sérénité. Donc c'est la personne qui propose le bon de réduction pour le portrait d'un guide. Regardez comment c'est beau. Ah, je lui ai. Ah, celle-là. Ah. Ah, c'est magnifique. Et hein, on dirait un soleil, on dirait un soleil et tout. Ah là, les couleurs, elles sont. Enfin, que je. Chaque fois, je le dis, mais. Ouais, là, c'est mieux, là. Ah, oh, regardez comment c'est beau! Ah, c'est. Oh là là! Bah, ça, je vais l'encadrer et tout. Je vais le mettre derrière. Je vais le mettre là pour l'instant. Vous voyez pas, mais. Oh, j'en ai une autre. Alors celle-là, c'est Sérénité, hein, celle qu'on a vue. Et celle-là, c'est celle des ancêtres. Oh mon Dieu. Il y a la lune. Non, mais vous rigolez. Là, attendez, je vais mettre mes doigts là et là. J'ose même pas appuyer. Enfin, t'as l'impression que c'est tout. Ça va te rester sur les doigts tellement c'est doux. Et donc, par rapport à ce que moi je lui ai laissé sur les questions qu'elle a posées, elle a fait un. Ah, celui-là, alors. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Ah non, mais c'est très lunaire, hein. Moi j'adore. Hein. Dans ce sens-là. Non, parce qu'elle a écrit derrière Ancestor, donc Ancestor. Donc bah, tu mets dans le sens de la lecture. Hein. Oh là là. Ah, la meuf là que je redis. Reviens-moi. Regardez comment c'est beau. Ah, là ça fait rose, mais c'est y a du marron aussi. Vous voyez pas, mais. Oh là là, oh, c'est magnifique. Ah bah franchement, non mais moi qui fais de la. Oh là là, celui-là. Oh, je sais même pas où je vais pouvoir le mettre. Je vais les mettre là en attendant. Sur mon petit chevalet, mais. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu, mon Dieu. Ah non, mais là, pour faire de la méditation, pour te fixer un truc. Alors, de l'encens. Einstein. Alors ça, je sais pas. Oh, c'est de la cannelle, épices de pin, Amestia vulgaris, verveine, la myrrhe, je crois. Ouais, c'est ça. Du santal, la poudre de cristal de roche. Toutes les plantes correspondent à cet encens sont issues d'agriculture bio. 100% naturel. C'est une recette personnelle. J'ouvre. Je sais pas si je vais ouvrir. Ah bah non, je sais pas. Ah, ça sent. À travers, ça sent. Et celle, il l'a fait et tout. Hein. Et puis, enfin, je veux dire, c'est pas un tiers, un dixième du sachet, quoi. C'est un sachet, hein. J'ai la quantité là. Oh là là. Oh, trop beau. Oh là là. Oh. Non, mais moi, c'est Noël. Hein. Enfin. Mais c'est pareil. Moi, de toute façon, dès que je reçois un peu. Enfin, oui. Atelier chat Aïeza d'air. Alors c'est un autre Mirabelle, ce mini work
a été chargé tout au long de sa sérénité pour avoir paix et sérénité. Mita Cash. Donc voilà, j'espère que vous voyez son nom. Regardez, rien que la carte, moi je les trouve super. Enfin, rien que la tarte. La tarte. La carte, ça. Alors. Donc, petit sachet et tout. Et c'est beau, hein. Non, moi, je trouve ça. Donc, vous voyez, moi qui ressens l'énergie, c'est vraiment ce genre de box. C'est super cool, quoi. Et quelqu'un qui ferait une box comme ça tous les mois, je sais pas. À 15-20 euros, ouais, 25 euros, c'est pas excessif. Au mieux d'aller s'acheter des conneries. Des fois, et ben, frère. Oh, ah mon Dieu! Ah là 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 là! Ah, mais c'est des vraies plumes! Ah, il est joli! Ah là là! Ah, regardez comme il est beau. Oh, il est avec une petite pierre au milieu. Ah, puis ça, c'est avec le flocon de neige. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. La meur ou la verte. Ah! Et c'est des vraies plumes. Alors, moi qui suis très... Bon, mais je fais une petite pause parce que le téléphone sonne. Donc, à plus tard. Je reviens vite. Coucou, me revoilà. Excusez-moi de cette interruption, mais là, je réponds au téléphone. Hein, vous avez vu comment c'est beau? Ah, mais je reviens pas. Ah, puis chargé, tu... Ah là là, je sens, hein. Ah, c'est fou. Ah, c'est une énergie très douce, en fait. Très très apaisant, très. Ah, puis des belles plumes et tout. Oh. Dans du papier de soie, encore une fois, dans du papier bulle après. Enfin, c'est très très soigné comme colis. Alors là, c'est formation, développer la clairvoyance. Qu'est-ce que c'est pour moi? Enfin voilà, c'est la personne, le coaching de vie par Raphaël. Donc voilà, intuitive, clairvoyance. Donc voilà, elle a mis son... Rien que ça là, enfin je veux dire, tu t'enlèves, allez, on va dire le... Être tout simplement, remarque. Tu vois, ça fait une belle... Ça fait un beau truc. C'est très joli ça aussi, j'aime beaucoup. Ouais, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas mettre 2 heures non plus à faire ça quand même, mais si quand même. Donc hein, franchement, n'hésitez pas à aller sur son site. Hein. Ah, c'est une bougie. Pomme, nuit, cire végétale 100% naturelle. Alors tout ça, c'est elle. Hein. Oh, c'est une tuerie. Oh, ça sent merveilleusement. Oh, tu oses même pas la... Oh, ça sent bon. Donc tout ça, c'est elle. Hein. C'est elle qui les fabrique et tout. Oh, c'est super. Super, super. Ah, moi, j'aurai un peu de place aussi. J'adore les bougies. Ah, les bougies, moi, les bougies, l'encens, enfin, je trouve que c'est hyper... Enfin, l'odeur que ça peut dégager, comment ça peut vous emmener dans des trucs. Enfin, je le dis à chaque fois, mais... Alors. Oh là là! Oh là! Oh là! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pendentif à souhait, Solaris, bronzite, collection luxe.
Alors, en hiver, les énergies solaires se font un peu rares. Et moi, j'adore l'énergie solaire, ça me fait énormément de bien. Même si je suis très branchée à la lune. C'est elle, hein, pareil. Hein. Alors moi j'ai une racine de guimauve. La racine de guimauve, outre ses propriétés médicinales, la guimauve est une plante protectrice et un bon catalyseur psychique naturel. Un aimant à bonne énergie et bon esprit. Oh, merci! Ah non, mais vous pouvez pas imaginer, mais c'est... Comment? Lutter pour pas que moi, les énergies négatives, je les... Enfin, quand j'en absorbe, j'arrive à les transformer. Hein. Ça va mieux en mieux, j'apprends. Hein. Mais j'ai beaucoup lutté, mais c'est épuisant, épuisant. Et dans la société à laquelle on vit, mais les gens, ils en sont hyper remplis, quoi. Et moi, je le ressens. Alors, à chaque fois, on me dit, ah, ferme, tais-toi et tout, dis pas et tout. Mais que veux-tu que je te dise? Je sais pas dire, moi. Je ressens, je ressens, je ressens. Je ressens ces trucs négatifs. Je peux pas faire autrement. J'ai pas. Enfin, voilà. Donc, ouais, c'est. Lorsque la racine de guimauve. Pensez à votre. Attends, attendez. Donc, en bon esprit, bonne énergie. Ça, c'est cool. J'utilise ici comme aimant à intention. Pensez à votre souhait, puis soufflez-le sur la racine de guimauve. Lorsque la racine guimauve se détachera, tombera seule, ou que vous souhaiteriez la brûler du pendentif, c'est le signal que le charme court dans les rayons du soleil pour attirer votre souhait. Une fois le charme parti, son œuvre, fait faire son œuvre, il vous reste un joli pendentif à porter. Oh, c'est magnifique. Alors, je vais l'ouvrir. Je le tapote depuis tout à l'heure. Alors, il y a une perle de bronzite, protection, courage, bien-être, tendresse, clarté, calme d'esprit, rééquilibre du plexus solaire. Oh! Deux coupelles en métal argenté, garantie sans zinc, ni cadmium, ni nickel. Breloque soleil en métal argenté. Le cordon, il est en chanvre issu bio. Donc celui-là, il ne veut pas venir. Ah, il est... chargé, mais nécessite votre finalisation de charge. Les exemples sont donnés dans la notice. De charge de talisman. Finaliser le salon. Donc après, je vais pas vous lire, mais flamme nuit, bougie, 1-1, mot-clé, méditation, sérénité. Donc 100% végétal. Naturellement teinté par l'écorce de mandarine. C'est la bougie. Oh là là, regardez comme c'est beau. Ça sent le. Regardez comment c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein? Oh là 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 là. Après, une fois que ça sera tombé ou que je le ferai brûler, ça on verra. On laissera l'univers gérer le truc. Il tresse le beau petit soleil là. Qui est très très beau hein, d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez, il est. Zut. Regardez comme. C'est pas un truc à 2 francs 6 sous hein, quand même. Hein. C'est ça, je me connais. Hein. Ah, il est trop beau.
Donc, ouais, alors la boulangerie. La bougie, hein, donc elle te donne une notice. Peut être utilisée en ambiance et en offrande au centre d'un auteuil, mais elle peut être aussi utilisée en soins énergétiques comme un support de méditation, charge de talisman ou d'amulette, en offrande, hein, voilà, sur l'autel improvisé ou en rituel. Bien sûr, on peut être simplement profiter de cette énergie, de la lumière tamisée qu'offrent les bougies. Et atelier en ligne de méditation. Gratuit, les méditations et exercices sont libres de téléchargement, mis en ligne bientôt sur le site. Et le blog associé. Vous pouvez envoyer un mail au format PDF sur simple demande. L'accompagnement, le coaching, l'aide d'interprétation des exercices de méditation me demande beaucoup de temps et par contre payant, ce qui est logique. Je veux dire. Méditation, visualisation avec l'élémentaire. En plus, c'est du papier recyclé et tout. C'est super. Oh, pardon, excusez-moi. Oh là là. Bon, ça, je lirai. Ah, ça va me botter ça. Moi qui adore la méditation et tout, je connais pas, hein, mais je débute aussi dans la méditation. Donc voilà le type. Alors, on récapitule. Donc, des notices super bien faites quand même. Hein, voilà, elle t'explique bien. Donc moi j'aime bien. Alors, j'ai eu pour 25 euros de l'encens fait maison bio. Et la dose d'encens, hein, quand même. Hein, faut pas non plus. Une bougie. Qui a une valeur de 8,95 €, hein, c'est que du bio aussi, hein, quand même. Le pendentif, qui est bio aussi, et qui a pas de. Et c'est pas un truc. Enfin, voilà, c'est. Hein. Les deux photos, les deux cartes qui sont. Enfin, moi, je. Là, franchement, je vous avoue, après, ça va être une belle méditation avec ça, là, ça va être super sympa. Je crois que ouais. Donc ça. Après, qu'est-ce que j'ai? Les bons de réduction des personnes qui participent au colis. Que je trouve super sympa. Que je mettrai tout dans la barre. Là, pareil. Il y a des bons, enfin, elle t'explique les bons de réduction, la carte voilà. Donc, le pendentif, il vaut 15 euros quand même. L'encens, il vaut 6 euros. Il y a 13 grammes. Hein, quand même. Les méditations et tout, 3,50 €. La trappe rêve et tout, 19 euros. Tiens, ah bah attendez, attendez, je. 9 plumes de coque blanche apportent équilibre et douceur. Enfin, vous voyez, c'est. Ah, moi, enfin, énergétiquement, là. Ah, je vais me. Enfin, ça. Je vais me plonger là-dedans, quoi. Regardez. Enfin, voilà. Dire, c'est pas. C'est pas un truc de mini-fouine ou babou, quoi. Hein. C'est un vrai truc, quoi. Bon, c'est pas de la caille, quoi. Oh là là. Avec la petite pierre là au milieu, je sais pas si vous voyez, mais. Mais je la ressens, hein, l'énergie, hein. C'est fou. Hein. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Donc bon, celui-là de 50 euros, tu as un peu plus de choses. Je crois que tu dois avoir des pierres en plus. Donc, et en plus, comme c'était ma première commande,
Tu as le droit à 10% sur ta commande. Donc, du coup, avec le mode de livraison, enfin, du coup, ma box, au lieu d'être à 25 euros, elle était à 22,50 et j'ai eu 3,40 € de livraison. Donc, en tout, ça m'est venu à 25,90 €. Hein, avec un petit mot, avec une énergie. Enfin, donc voilà. Et donc, elle fait ça tous les trimestres parce que je pense que ça lui prend énormément de temps énergétiquement et tout de faire les choses. Hein, parce que franchement, c'est super bien. Moi, je. Puis comme ça, t'y penses plus finalement. Tu vois? Parce que c'est bien, hein, moi j'aime bien recevoir les trucs bien vite et tout. Mais ce genre de choses, je pense qu'il faut l'oublier, tu vois. Ah, puis, ah, moi quand j'ai reçu mon truc, j'ai fait, tiens, j'ai rien commandé. C'est quoi ça? J'ai rien commandé. Je rentre là il n'y a pas longtemps et tout. Ah, et puis quand j'ai vu la petite étiquette, je suis, ah bah si, ça y est, je sais de qui ça vient. Donc n'hésitez pas à aller sur son site. Et voilà. Et s'il y a une boutique en ligne qui ferait des genres de box comme c'est la grande mode en ce moment pour le thé ou pour les fleurs, là on reçoit une truc par mois, moi je serais prêt à m'inscrire. Et puis voilà. Donc elle le fait tous les trimestres. Donc vous avez la box à 55 et à 25. Et atelier ésotérique, quoi, je veux dire, elle est charge, enfin, elle explique super bien sur son site. Hein. Franchement, le site, il est super. Il y a des tambours. Enfin, voilà, enfin là, vous voyez pas, mais elle fait par rapport aux cartes qu'elle m'a données là. Oh, elle en fait des plus grands et tout. Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau, trop beau. Et puis, excusez-moi, mais c'est encore une entreprise française. Hein, donc, voilà, je suis un peu chauvine, mais faut pas. Voilà. Hein. Donc, je vous embrasse, je vous fais des gros gros. Oh, on va tirer une carte. On va tirer une carte. Ah, tiens. On va tirer une carte. Du femme actuelle. Je l'aime bien celui-là. Ça, je l'aime bien, je le trimballe partout. Ouais, parce que je les trouve hyper belles. C'est très dommage d'ailleurs que ça soit juste un jeu de poche en fait. On pourrait en faire un beau jeu de un bel oracle, je pense. Ce qu'a fait la dame, c'est, enfin je sais pas qui c'est, mais les images sont super sympas. Je éviterai de le regarder, ce serait mieux. Vous dites rien, vous. Ah là 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 là, je vous jure, hein. La force. Je vais vous lire la force. La force, la force. Oh, parce que je connais pas par cœur hein, quand même. Hein, faut pas. Mais oui, il faut de la force. Mais on a tous de la force. Hein. Mais la force, ça va un peu avec la confiance en soi, souvent. Et moi, c'est un truc, ouais. On me le dit très souvent que j'ai de la force, mais j'y crois pas trop, en fait. Alors, du coup, je. Non, c'est pas celle-là. C'est pas cette pochette là. Allumée. Ah, que c'est fait. Ah bah non, alors là par contre je vais pas être contente parce que si je perds la moitié de mon truc, ça c'est. Ah, attendez, excusez-moi, je récupère mes trucs. C'était pas la bonne. Bah, c'est joli hein, aussi. Alors, la force, la force, la force, hop. Cherchez les angles de la nature. Cherchez des angles dans la nature. Vous n'en trouverez pas. L'homme les a inventés pour se rassurer. Et se barricader. Tel un ours courageux, la jeune Amérindienne se redresse pour affronter la vie, la spirale lui donnant la force de résister. Avec de l'aplomb et ses pieds sur et les pieds sur terre. Elle fait tomber les remparts et les faux repères. Reliée à la nature, elle revient légère comme la plume prête à prendre son envol.
La force est... Attendez, je lis avant. Voilà, la force épuise son énergie à vouloir passer en force. L'ours représente autant d'obstacles qui se dressent devant vous que son propre courage à affronter la réalité. Cette carte fait appel à la force d'âme qui lutte sans céder à la colère. Générosité, solidité, passion, bataille. Combatif, ambition, pouvoir, courage, discipline. La force est un outil qui peut se retourner contre nous si nous n'apprenons pas à l'utiliser. Et c'est vrai. Ben, surtout si votre force vous la conduisez avec la colère, hein, avec des énergies très négatives, attention. Je veux dire, voilà. Il y a plein de façons de combattre, d'avoir de la force. C'est pas. Donc voilà. Bon bah je vous en. Ah, elle est belle hein, quand même. Vous allez pas voir le centre là, voilà la spirale. Hein. Et puis l'ours derrière. Qui se trouve au niveau de la tête hein, quand même. Donc voilà. Bon bah je vous embrasse sur ce petit colis. Et franchement, je suis trop contente. Ah ouais, non, ça me fait très très plaisir. Et oh là là. Voilà. Ben, je vous embrasse, je vous fais des gros gros bisous, plein de bonne énergie positive et tout. Moi, je crois que je vais en avoir beaucoup. Le pendentif, il est magnifique. Et puis, n'hésitez pas, hein, voilà, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo comme ça, ben, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un petit mail en message privé ou sur ma page Facebook, vous pouvez mettre vos boutiques et tout, il n'y a aucun souci. Du partage, du partage, du partage, du partage. Hein. De toute façon, j'aime bien la matière en fait. Donc voilà. Moi, bon, les gros bisous. Hein. Plein de petits bonheurs. Cherchez-les. Hein. Il y en a plein, plein, plein. Tous les jours, on en trouve. Même quand il fait pas beau et tout. Vous voyez, moi, il fait pas beau aujourd'hui. Mais voilà. Petit bonheur. Petit colis et tout. Petit partage avec vous. Et puis, bah voilà. C'est reparti. Et ce soir, j'aurai appris plein de choses. Voilà. Allez, bisous.